Et salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo de Temtem incroyable pour affronter le chef de la Team Rocket. Allez, c'est parti. Lady Lottie, nous sommes tout proches, je le sens. La romance du dernier Christ, hein, mentionne une spirale là où se rencontrent la pierre et la mer. Il s'agit forcément du fort sous l'eau. Avez-vous découvert quelque chose? Rien pour l'instant, votre noble grâce. Bien, continuez de chercher, misérable simplet. Pas très cordial avec son personnel. Nous n'avons ni le temps ni envie. Laquelle chargez-vous donc vous-même de cette mécréante? Mécréant! Excellent, tu vas regretter d'avoir cherché à contrarier les desseins de Lily, le type paysanne. Gengi et Sparky. Allez, Teko et Mousti, l'équipe de choc. Grosse patate! Et si on rafale de plumes sur lui? Oh 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 oh. Très bien. Des attaques électriques. J'ai pas prévu ça. Il faut des Temtem plantes. Enfin, nature, quoi. Allez, Orestio, c'est ton moment. Rage. Ah, t'es cool, il est en alerte totale. Très bien. C'est un peu risqué de mettre rage, hein, vous trouvez pas? Allez, j'ai poignée de sable sur lui, normalement c'est efficace. Et si c'est pas efficace, ben damnation double, hein, écoutez. Hein. Que ça diminue la vitesse en plus. Voilà, c'est ça. Tape son collègue. Bon, je vais peut-être utiliser une baume, hein, parce que. Déjà, on a perdu Mousti, alors bon. Arrêtons de faire n'importe quoi, hein. Et qui s'est fait mal tout seul. Excellent. Psychose. Oh, il est déprimé! Regardez-le! Ah, ça va. Oula! Farik, prépare-toi. Condamné. Lorsque le décompte de tours atteint 0, le Temtem est mis KO. Ah! Poignée de sable, du coup on va le changer. Hein. Donc, il y a pas vraiment quelque chose de plus qu'il peut faire. On va mettre Azuka. Pour aider Teko. Les poignées de sable et chaîne d'éclair 1, 2, 3. Ouais, t'es obligé de te taper toi, quoi. Allez, électro-rayon. On va peut-être pas taper notre propre Teko vu que. Ah! Oh, le x4 électrique, ça. Ça, je reconnais ça. Allez, potions encore. Essaye de faire quelque chose, Teko. Il est totalement d'alerte. Allez, chaîne d'éclair. Comme ça, on fait de l'AOE. Là où en x4.
T'es quoi, il va prendre une sauce de tous les diables. Et merde, je me suis... J'ai pas compris comment fonctionne cette attaque. Terrible. Grosse patate, hein, et puis... Électro, hein. Voilà, le x4. Cette deuxième n'est pas comme les autres. Cette surfeuse n'était pas aussi forte. Ça veut dire qu'on est peut-être plus fort que Sophia. Si on ne peut même pas compter sur de misérables domestiques pour accomplir avec un minimum d'efficacité des tâches qui leur sont confiées, la moindre de ces choses serait qu'ils aient la décence de garder le silence. Ah. Petit aristo. Petite bourge. Encore une interférence populaire. C'est ça en fait. C'est la bourge de service quoi. Faut-il donc toujours que nous sommes importunés par des rustres? N'êtes-vous donc point capable, grossier charognard que vous êtes, de respecter la santé de ces véritables ruines? D'abord cette demoiselle adepte du surf est présent vous avec votre allure. Il faut croire que nous allons donc devoir résoudre par nous-mêmes cet odieux dégrément. Ah oui, c'est le genre de personne qui s'appelle par la troisième personne du pluriel. Très bien. Afin d'assurer un minimum de respect de décorum, sachez que nous sommes les Dilotti Artefald Victoria Elisabeth de Bourbe-Comté et Logbourg, comtesse de Flancomette. Ce que j'aime bien avec les nobles, c'est que leurs noms sont extrêmement simples. Et là encore, ils ont pas mis fille de machin, et là. Et là, on était parti jusque 2 ans moins, quoi. Mais vous pouvez nous appeler votre noble grâce. Non, est-il de vous en donner la peine, nul n'a que faire de votre nom. Bien, si nous pouvions nous dispenser des autres formes protocolaires, nous serons gré à présent de prendre rapidement et sans aucun panache. De... Nous avons un trésor ancestral à découvrir, eh bien, peu de patience en réserve, en garde. Eh ben, c'est limite si elle parle en alexandrin aussi, quoi. Oh. Grosse patate! On va faire une chaîne d'éclairs suicide, je pense. Allez. Est-ce que ça va faire 1, 2, 3. Barre de bonheur. Putain, j'ai perdu Rusty aussi. C'est une catastrophe. Allez, chips. Grosse patate. On va exsigner son opus. Aïe 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 aïe, je pense qu'on va perdre. Hein. Moins qu'on utilise des baumes dans tous les sens, mais. Feuilles coupantes. Onde psy pour préserver l'endurance qu'on a.
Umbrella de Sion, non. On a réduit les attaques. Messieurs, manipulation d'énergie. Ok, on va donner une potion à Siondre. Chips. Lucioles, potion à Siondre. On peut pas les changer, je le sais très bien. Trop peu d'interface. Il a grosse patate lui aussi. Alerte! Il y a un point de dégâts en plus et ça préserve les points de pouvoir. Grosse patate! On a aucun, c'est pas vrai. Uriciole. Potion sur Cyandre encore. Grosse patate. Potion sur chips, hein. Cette catastrophe totale, quoi. Avec la musique totalement épique, là. Oh, secours! Ailleurs ici, j'ai tout juste assez. On va aller réhanter Chips si on essaye d'attaquer. Passer le tour. Oh là là, quel combat, quelle bataille! Ma dernière potion contre. Bon, ça va, il m'en reste deux encore. Allez, onde psy, on préserve un maximum les points d'endurance. Après deux combats d'affilée comme ça, sans pouce, c'était. C'était compliqué. Mais là, on vient au bout, là. On voit la lumière au fond du tunnel. Frac abaglante. Technique puissante qui épuise la psyché de l'attaquant subit un fichier endormi pendant 2 tours. Ah oui! Ah ça c'est pas mal ça. Est-ce qu'on ne vit qu'une fois ou pas? On va faire feuille coupante. Et le psycho machin. Proc. Alors s'il y a un autre combat derrière, clairement. On est dans la panade. Oh, compliqué. Mais quelle est donc cette fourberie? Puis elle était très énervée quand elle a perdu. Déconfite par une pécore d'onésienne. Oui, bon, la bourge, calme-toi un peu. Hein. Quelle effronterie. Serait-ce Percy qui vous aura envoyé? Non.
Un jus de lumière, un nuage de fumée, nous disparaissons afin de fomenter notre vengeance et de frapper à nouveau. Par un jour funeste qui bientôt viendra. Oh, la clé du fort. Clé de lumière ancienne qui nous permet d'accéder au donjon. Il y a plein d'objets. Est-ce que j'aurai un truc utile? Je l'espère. Fragrance. Ok. Je sais même plus ce que c'est. Talisman. Immise contre l'état condamné. Fragrance. Alors, Chips était tellement content quand on a récupéré la fragrance que vous savez quoi? On va la mettre sur lui. Voilà. En plus, c'est le seul qui est vivant, donc... Petite fiole. Ah, le flacon est vide. Ah, des repousses. Bon, on va les utiliser. On va les utiliser. Pour ne pas se faire attaquer comme des sauvages. Ah, c'est vrai qu'ils ont 12 ils ont tous disparu la Team Rocket là. Parfum 10. Oui. C'est bon, je vais lui dire que tout va bien lui. Je l'ai vaincu. Yes. Oui, tout à fait. Bravo, merci. Visiblement, on peut en rencontrer si on n'a pas de chance. Allez, bourrasque. Manipulation d'énergie. Bon, c'est très risqué ce qu'on fait, mais vous inquiétez pas, j'ai la maîtrise de la situation, pas du tout. Clamante. Oui, il manipule son énergie. Boum. Oh là 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 là. Allez, on y croit. Encore. Peut-être qu'il faut que je réutilise la... Bourrasque. Effet sur l'énergie. Bah, c'est que deux temtem là. Affronter tous les écureuils de la terre. De toute façon que c'est ça le plan. Écoutez, pourquoi pas hein. Je vais voir l'attaque de Chips. Je suis assez curieux. Ah, du coup, il tape pas mort. Ah, d'accord, c'est Chips qui s'endort, hein. Ah, du coup, c'est pas ouf, quoi. C'est... D'accord. Allez, on descend encore. Non, on va pas utiliser, vu que ça sert pas beaucoup, trop. Ça piète. C'est vrai qu'on en a... On en a eu un. Ouais, frappe à la banque. C'est vraiment un finisher. Quoi. Très bien.
Ça piète. Te voilà, tu trouvais la clé. Oui. Super, alors ouvre-moi cette porte, je t'en prie. J'ai l'impression que j'ai donné un gros coup de pied dans la porte et puis. Incroyable, merci beaucoup, Aya. Je commençais à croire que je n'avais pas pouvoir suivre mes cours au dojo. Oh, une bonne chose de faite là. Ouh, si on voit que cette cinglée alors. Eh bien, tu as un sacré potentiel. Bon, écoute, dois me dépêcher de me rendre à Rizola. Mais ne manque pas de me passer me voir au dojo. Si tu es parvenu à battre cette noble arburienne, tu dois clairement être prête pour l'entraînement avancé. Ah, libéré, chérie. Que traficoter donc ces pillards? Bon, bref, on se verra au dojo. Aya, fais attention à toi. Salut! Ah, ça va, c'est. Elle marche. C'est pas. Genre, elle se téléporte de manière impromptue. Alors, je regardais si on peut entrer dans la cellule pour faire un truc, mais. Non. Encore eux. Oh, j'ai envie d'acheter une. J'ai utilisé la bombe fumigène. Ok. En termes de map. Bon. Je crois qu'on est vraiment pas loin. Donc allons-y. Je vais utiliser une repousse après avoir. Ouais, bourrasque, ouais, c'est énorme. Ouais, manipulation d'énergie, excellent. Boum! Les dégâts! Bien sûr. C'est bon. La sortie. Enfin, je vais parler à lui. Toujours là pour m'embêter, c'est. Bon, d'accord. Il est content même quand il dort, quoi. Excellent. Bon. On va utiliser fragrance, voilà. Rien. Partez tout de suite avant qu'ils ne vous trouvent. Oui, mais c'est bon, en fait, ils sont plus là, en fait. Ok. Très bien. Enfin le centre. Que d'aventure. Acheter. Thème carte, j'en ai combien? 14. Allez, je vais en prendre 6. Non, 7. Comme ça, ce sera bien. 21. Et des baumes. J'en prendre 11. Parfait. Compliqué tout de même. Ça fait combien de temps qu'on est en vidéo? 24 minutes. Bon. On va rentrer à Isola et
pourrais quitter la vidéo quand on sera rentré. Allez, on va faire ça. Quel chemin parcouru? Au niveau de la carte. Ok. Très bien, mon gars. On court, on court, on court, on court. Ah, je crois que je suis allé beaucoup trop loin. Fallait tourner à gauche là, monsieur. Ça va combattre un peu Teco et Mousti. Grosse patate. Picotis. Ah, eux ils sont pas vol encore. Donc je crois que les attaques vol marchent bien. J'aurais pu faire une grosse bourrasque. Grosse patate. Le monstre il en. Normalement, ça marche bien. Grosse patate, rafale de plume. Boum. On prend un peu d'XP, tout va bien. Bon, c'est un peu par là. Si, c'est un peu par là. Hop là. Essayez de pas trop passer par des hautes herbes. Plus ou moins quoi. Hop là. Petit combat. Tout va très bien. Pharo. Excellent. Grosse patate. Picotis. Grosse patate. Voilà. L'impact des dégâts, bien sûr. Patate, bien sûr. Bon, finalement, on s'en est pas trop mal sorti. On est de retour à Arizona. Centre de Temtem. Alors on soigne tout ça. Et du coup, prochaine étape, ce sera le dojo. On a fait un bien beau parcours. Dire qu'on a commencé là, quoi, dans la maison. Plutôt pas mal. Bon. Du coup, on va aller là. Faudra pas qu'on oublie, quand on aura le surf, on aura plein de zones à explorer. Par exemple, tout ça. Dans la tour, il y a des zones qu'on pouvait explorer uniquement avec le surf aussi. Il faudrait que je pense qu'ils vont commencer par nous le donner au bout d'un moment. Il y a ça aussi, ça. Ça aussi, ça c'est une belle zone, ça. Là, il y a une quête. Ah, il y a tout ça aussi.
Ouais, on n'est pas sorti de l'auberge. Donc, qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que ça peut représenter? Bon, allez, j'espère que la vidéo vous a plu et je vous dis à très très bientôt. Salut!